Moustique, le charismatique et Marcus. Un peu plus fort que ça. Et Somba, et Somba, passe, viens, viens ici, viens, et Somba, hein? Viens, viens t'asseoir ici, viens. Il est déjà 3h du viens. Matin. Le depuis qu'on parle ici les dents, tu es toujours là, tu dors quoi, hein? Il est 4, lève-toi mais tu n'es pas là avec l'enfant. Et Somba. C'est même quoi? Lève-toi, il t'a dit. Ah ah, ah ah, j'ai dit. Voilà son ami. Lève-toi, il dit, reviens-toi, tu viens ici, t'attends ici. Madame, le 8 mars, c'était hier, c'est fini. Et son pas. Tais-toi. Yeah, yo, 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 mon nom ne tient. Mais tu l'as indéniant. Mon Julia, au nom de Dieu, on tient dit là-haut. Lève-toi, ils sont pas. Tu vois les choses de ton père? Passe comme ça. Viens. Viens ici, là, tu restes ici. C'est comment, c'est comment, c'est commandant? Ouais. Je sais que le coq chante. La poule ne chante pas. C'est pas parce que c'est la maison de tes parents et je suis ambassadeur. Mais quand tu es ambassadeur, c'est un métier noble. Respecte-moi. Moi, je suis déjà prêt. Je veux déjà partir. Tu vas où? Papa, tu sais que je suis le plus intelligent de ce village, non? Ah. Toi-même, tu sais que je suis le seul dans la famille qui a eu le bac, donc j'ai un background. Voilà. Donc, je suis le plus intelligent du village. Et comme tu es là maintenant, tu sais très bien que si tu meurs, tu vas assurer tout. Si. L'héritage, donc tu peux écrire le testament maintenant. J'atteste que je vais assurer tout. Voilà. Il y a un proverbe chez nous qui dit que Nguyen. Ça veut dire que si tu vois les bourses d'un enfant dépasser pour son père, c'est qu'il a la haine. Toi, je te demande que tu parles, tu commences à voyager. Je te demande, tu voyages? Je vais en ville. Je vais en ville, c'est normal, non? Je m'en vais me chercher. Tu vois un peu, comme je suis le plus intelligent du village, le plus intelligent de la famille, attends. L'homme le plus... Attends. Madame, le vice-mari, assieds-toi ici. Assieds-toi là-bas, panthère. Maman ne pleure pas. Moi, je n'ai pas fréquenté. Moi, j'ai fréquenté. Je vais sauver l'honneur. Ouais. Tu vas aller travailler quoi? Bon, comme je vais en ville là, hein, papa, tu sais que les vrais hommes ont un palmarès. Donc comme je vais en ville, je ne vais pas faire un seul boulot. J'ai envie de mixer les malaxés. Tu vois un peu? Donc je vais d'abord commencer par être un homme en tenue. Honneur et fidélité. Après, je bifurque vers être un cadre de société. Ça veut dire fonctionnaire. Tu vois un peu? Maintenant, je tourne à gauche là. Je deviens enseignant. On a besoin d'éducation. Hein, papa? Après, je coupe de l'autre côté. Je deviens directement footballeur. On a besoin des stars dans la famille, tu vois. Samuel Eto'o, Choupo Moting, Jean de Dieu Momo, Idrissou. Hein? Franchement, on a besoin de ça. Et papa, maintenant, pour couronner le tout, je vais chuter maintenant. Je deviens artiste chanteur, comme Nyankono du Sud. Voyez. Voilà. C'est souillant, hein. Tu vois ce que tu as accouché. Assieds-toi. Je comprends que tu as un gros cœur, parce que dans ce village, on met en avant ceux qui ont des avoirs, comme les maisons, les voitures. On met derrière ceux qui ont des valoirs, comme l'intelligence et la bienséance. Mais tu es mon fils. Merci. Il faut que je te parle d'homme à homme. Nous sommes dans une société qui est un système qui doit fonctionner en engrenage. Ça veut dire que toutes les pièces sont importantes pour que ça puisse tourner. Tu comprends, non? Ouais. Dans cette maison, quand il y a les bandits qui coincent, c'est moi qu'on appelle.
Quand il faut gronder, c'est ta mère qui gronde. Quand il faut faire le nyanga, c'est ta soeur. Et l'école, c'est moi. Je sais. Aller à l'école, c'est bien, mais savoir ce qu'on va faire à l'école, c'est mieux. Parce que le pays ici ne va pas se construire seul. Ça se construira par tout le monde. Tu dis que tu veux être un homme en tenue. Sois un homme en tenue, hein. Mais les hommes en tenue verreux qui sont là pour chasser ceux qui veulent marcher, pour prendre de l'argent en route et pour nuire à l'ordre public. Tu comprends? Oui, papa. Si tu veux être un enseignant, sois un vrai enseignant. Pas les enseignants qui viennent entrer dans la profession parce qu'ils fuient les impôts et l'âge des concours veut déjà arriver. Si tu veux être un footballeur, sois un vrai footballeur. Pas les gens de footballeurs qui viennent jouer parce qu'ils veulent l'argent. Ils choquent les coachs et les fédérations pour avoir les postes. Et quand on leur met au terrain, ils commencent à jouer leur gombo, chercher les petites filles dans les bois de nuit. Si tu veux être un cadre d'administration, sois un vrai cadre. Pas le genre de cadres qui font les rapports bizarres. On dit que les terrains sont prêts alors que ce n'est pas prêt. Tu as compris? Voilà. On ramble la route au lieu de goudronner. Si tu veux être un citoyen, sois un citoyen participatif. Pas les citoyens qui suivent les réseaux sociaux. Ils veulent construire tout sur Facebook. Quand on demande d'aller voter, ils ne veulent pas. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est quand tu envoies une blague qu'on met les j'aime, tu as les problèmes, tu n'as plus les amis. Tu ne dois pas choisir tes amis en fonction de leurs origines. Ta mère est bamileke. Moi, je suis petit. On t'a donné le nom de Mbok, le nom d'un de mes amis. Elle s'appelle Venge, une étoile. Vous êtes des enfants cotisés et je suis fier de vous. Mon fils, il faut savoir qu'on n'a pas deux familles, tu comprends? Oui, papa. Va représenter la mienne. Et il faut savoir que les larmes que je veux couler sont des larmes sincères. Si je suis ici, je te donne. Ça fait une larme. Je mets ici. Je mets comme ça. Je suis. Et donne à ta mère. Je mets comme ça. Je suis. Je donne à ta soeur. Tu vois la lumière qui est là-bas au fond? Oui, oui. C'est la lumière des Sadina, des Tontina, des Nulpara. Sadina, Tontina, ils sont tous les enfants de ce système-ci. Tu as compris? Prends ton sac. Allez, et représente le pays valablement. Que personne ne vous instrumentalise. Les gens se combattent pour des intérêts personnels. Le Cameroun avant tout. Les Camerounais avant tout. Nous sommes un et indivisibles. Laissez la sorcellerie, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi, Moustique, Marcus et compagnie. Merci d'applaudir encore pour ce numéro d'humour qui nous enrichit ce soir et qui nous plonge un peu plus dans notre patriotisme. Mesdames et messieurs, pour que...